وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, aujourd'hui donc le cours ou bien la vidéo d'aujourd'hui, donc elle est destinée aux étudiants de master et aux ingénieurs, aux gens qui appliquent en général les méthodes d'optimisation, donc pour calculer le minimum d'une fonction de plusieurs variables. Donc ici, donc dans cette vidéo, donc on va calculer le minimum d'une fonction en se basant ou bien par deux méthodes différentes. Donc par la méthode du gradient à pas variable, le pas d'Armijo, et par la méthode du gradient conjugué aussi avec le pas version Fletcher-Ribbs avec le pas d'Armijo aussi. Donc pour faire ce calcul, bien sûr, ces programmes, on va donc appliquer ces programmes à une fonction bien particulière. Cette fonction est dite la fonction de Rosenbrock. Donc c'est la fonction de Rosenbrock. On l'appelle aussi la fonction banana de Rosenbrock. Donc cette fonction, donc son expression, elle est simple. Donc on peut la définir pour n variable, f de, voilà sa formule, f de x1, x2 jusqu'à xn est égal à somme de i1 jusqu'à n moins 1, somme multipliée par xi plus 1 moins xi au carré, le tout au carré, plus xi moins 1, le tout au carré. Donc si n égale 2, c'est-à-dire pour deux variables, on va trouver donc l'expression de f de xy est égal à cette expression-là. Donc, est égal à, bon, si je développe, est égal à 100 y moins x au carré, le tout au carré, plus x moins 1, le tout au carré. Bon, si je fais les calculs, donc j'obtiens f de xy est égal à 100 x à la puissance 4, moins 200 x de y, plus x au carré, moins 2x, plus 100 y au carré, plus 1. Bon, on remarque bien que cette fonction n'est pas une fonction quadratique, parce que si elle était une fonction quadratique, pourquoi? Parce qu'elle est le terme ici, x à la puissance 4. Et vous avez donc ici un produit x2y, c'est-à-dire la somme, ça fait 3. Donc, si on avait une fonction quadratique, donc la somme entre les puissances de x et y ne devrait pas dépasser 2. Or, ici, on a la puissance 4 ici, et on a ici la puissance 3. Donc, ce n'est pas une fonction quadratique. Donc, on peut pas lui appliquer donc les méthodes, c'est-à-dire le calcul du pas optimal, par exemple. On ne peut pas lui appliquer donc les formules du pas optimal, parce que ce n'est pas une fonction quadratique. Donc, parce que pour calculer ce pas, donc le pas optimal,
on doit avoir, donc on doit pouvoir écrire f de xy sous la forme de 1 demi de x transposé qx moins b transposé x. Or ici, donc la matrice symétrique définie positive qui caractérise une fonction quadratique, donc n'existe pas dans ce cas-là. Donc dans ce cas-là, donc le pas optimal, il doit être calculé autrement. Bon, dans notre approche aujourd'hui, on ne va pas donc calculer le pas optimal, mais on va calculer donc le pas, donc avec une recherche linéaire inexacte, c'est le pas d'Armijo. Donc le pas d'Armijo. Bon, pour soit en étudiant la méthode du gradient, ou bien la méthode du gradient conjugué, donc on va calculer les successeurs, les itérés, en utilisant, bien sûr, pour la méthode du gradient, ou bien la méthode du gradient conjugué, on va utiliser donc le pas d'Armijo. Et on va à la fin, donc à la fin, donc lorsqu'on en, on obtient les résultats numériques, on va donc comparer les deux méthodes, c'est-à-dire la méthode du gradient et la méthode du gradient conjugué. Bon, ici pour deux variables. Donc les gens qui sont intéressés donc pour 3, 4, 10, 100 variables, donc ils peuvent le faire. Donc en modifiant un peu le programme qu'on va détailler tout à l'heure, donc ils peuvent avoir donc bon, la question qui se pose, bon, ici donc je donne bon, un calcul simple me donne la valeur du vecteur gradient, donc le gradient c'est un vecteur, donc ça c'est d en f sur d en x, et ça c'est d en y sur, donc d en f sur d en x est égal à 400 x à la puissance 3, donc on peut le voir ici, 4 multiplié par 100 x à la puissance 3 moins 400 xy plus 2x moins 2, et d en f sur d en y est égal à 200 y moins 200 x2. Donc on peut aussi, donc dans le cas général, calculer donc les dérivées partielles, donc le vecteur gradient sera un vecteur de n éléments, donc on peut le calculer par rapport à chaque variable, par rapport à x1, x2, jusqu'à xn. Bon, la question qui se pose, pourquoi donc on a donc testé la méthode du gradient et la méthode du gradient conjugué sur cette fonction spécialement, la fonction banana de Rosenbrock. Bon, c'est une fonction qui est mal conditionnée, c'est-à-dire que la majorité des algorithmes donc fonctionnent très mal avec cette fonction. C'est-à-dire lorsqu'on dessine, voilà son graphique, c'est une vallée étendue. Donc si on dessine les lignes de niveau, on va remarquer que ce sont des vallées très étendues. Et comme on l'a dit donc dans nos cours précédents, c'est que si vous avez un cercle, donc les lignes de niveau forment des cercles, exactement des cercles, vous allez avoir la convergence, c'est-à-dire vous allez avoir des fonctions quadratiques, et la convergence, pour la méthode du gradient, donc elle va se faire en une itération. Si vous avez au contraire des ellipses qui vont s'étendre de plus en plus, donc vous allez avoir un mauvais conditionnement, et la convergence, elle sera très très lente. Donc vous allez avoir donc une convergence très difficile. Bon, ici, cette fonction, justement, si vous dessinez ces lignes de niveau, vous allez avoir que vous allez avoir des vallées très, très étendues. Donc, ça veut dire que si un algorithme fonctionne bien, fonctionne donc de façon performante avec cette fonction, normalement, il devrait fonctionner très bien avec d'autres fonctions. Donc, c'est une fonction test, donc c'est-à-dire qui bloque des algorithmes qui ne sont pas performants. Bon, c'est pour ça qu'on a choisi cette fonction. Et on va voir comment la méthode du gradient avec le pas d'Armijo et la méthode du gradient conjugué, comment donc elles vont se comporter avec cette fonction. Bon, tout d'abord, donc puisque on est dans la pratique, donc on ne va pas aller jusqu'à avoir la solution optimale qui est égale à 1, 1 ici. On va démarrer tout à l'heure, donc je vais vous montrer le point de démarrage de notre algorithme. Donc on ne va pas aller jusqu'à la solution optimale parce que c'est une suite. Donc dans la théorie, c'est une suite donc qui tend vers la solution optimale. Donc on va arrêter l'algorithme avec un critère d'arrêt, donc parce que
lorsqu'on arrive à la solution optimale, par exemple x, x star, par exemple y star, cette solution optimale, elle vérifie gradient de f en ce point est égal à 0, est égal à 0, 0. Ou bien la norme du gradient en ce point-là, elle est égale à 0. Donc on va s'arrêter, on va arrêter le programme lorsque la norme du gradient, donc elle est strictement inférieure, par exemple, à epsilon, un certain epsilon donné à l'avance. En général, on prend epsilon égale 10 puissance moins 6, ou bien 10 puissance moins 7, ou bien 10 puissance moins 8. Donc, mais on peut aller plus loin encore, ou bien on peut donc prendre epsilon plus petit, plus grand un peu. Donc dans notre exemple ici, dans notre programme, on va prendre epsilon égale 10 puissance moins 6. Moins 6. C'est-à-dire notre algorithme, il va s'arrêter lorsque, à l'itération k, c'est-à-dire au point xk, yk, lorsque l'orme du gradient de f au point xk, yk, elle est strictement inférieure à 10 puissance moins 6. À 10 puissance moins 6. Bon, donc, commençons donc par, bon, dans la partie 2, donc, méthode du gradient. Donc, je vais commencer directement par la méthode du gradient conjugué. Donc, je commence directement par la méthode du gradient conjugué. Donc, méthode du gradient conjugué. Donc, on va choisir, parce que dans la méthode du gradient conjugué, on a plusieurs versions. Donc, il y a la version de Fletcher-Reeves, la version de Polak-Ribière-Poliak, il y a la version de Stennis et Stefel, donc il y a la version de Dai-Yuan, il y a beaucoup de versions. Donc, ici, dans ce programme, bon, toutes ces versions, donc, elles se ressemblent, elles vont différer par un paramètre, c'est le paramètre bêta k, avec lequel on calcule les directions, donc la direction dk plus 1 en fonction de la direction qui vient juste avant la direction dk. Donc on va choisir donc la version de Fletcher-Reeves, donc voilà. On va appliquer donc ici, et le pas d'Armijo. Voilà, donc on va appliquer la méthode du gradient conjugué, version Fletcher-Reeves, avec le pas d'Armijo. Donc on va faire un programme en MATLAB avec la fonction de Rosenborg. Bon, un commentaire ici, c'est que le programme exécutable, il est en jaune, et tout ce qui n'est pas en couleur, donc tout ce qui est en noir, ce sont des commentaires. Donc je vais des commentaires sur le programme. Bon, ici donc, j'appelle donc, c'est le nom de ma fonction, donc time, CPU time, c'est une fonction, donc il va me calculer le temps d'exécution de mon programme. Donc voilà, je le trouve à la fin. Dans la première étape, donc, on va initialiser les variables. Donc epsilon, comme on a dit tout à l'heure, epsilon est la valeur qui sert à arrêter l'algorithme. Donc on prend en général, donc l'algorithme s'arrête lorsque la norme du gradient est inférieure à epsilon. Epsilon est critère d'arrêt. On prend en général epsilon égale 10 puissance moins 6. Donc on prend epsilon égale, voilà, epsilon égale 10 puissance moins 6. Ou bien une valeur plus petite, ou bien une valeur plus grande. Voilà, donc, epsilon égale 10 puissance, on le prend ici, epsilon égale 10 puissance moins 6. Bon, pour les gens qui veulent aller plus loin dans les calculs, bon, ils peuvent changer cette valeur-là. Ils prennent 10 puissance moins 7, ou 10 puissance moins 8, ou moins 10 puissance moins, comme ils veulent. Bon, le vecteur, donc, ici, c'est le démarrage. Donc, on démarre, donc, le point de démarrage de notre algorithme, donc c'est le point moins 1,2 et 1, 0. C'est le vecteur x0, x0, ou bien x1, y1. Donc on le note ici, donc moins 1,2 et 1,0. Donc quelqu'un qui veut démarrer dans notre point, il peut démarrer donc dans notre point. Donc il ne faut pas prendre le point 1, 1 parce que c'est la solution optimale. Bon, maintenant on donne le pas initial. Bon, ici, le pas initial d'Armijo, donc là, bon, je rappelle que la méthode d'Armijo, donc elle démarre avec un pas initial. Donc on peut prendre 1 ou 0,5 ou bien 2, comme vous voulez. Donc, bon, si on donne ici le pas initial d'Armijo, donc alpha égale 1, s'il vérifie la condition d'Armijo, donc, je rappelle que dans la condition d'Armijo, il y a une inégalité. Donc, une inégalité. Si le pas qu'on choisit donc, vérifie cette inégalité, je rappelle l'inégalité, c'est quel niveau? Bon, c'est f de
xk, c'est f de xk plus, supposons que le pas, je l'appelle alpha. Donc, je suis à l'itération k. Donc, je rappelle que la condition d'Armijo, donc, elle est caractérisée par quoi ? Par le pas alpha k. Donc, il faut que je me donne d'abord un paramètre qui caractérise, donc, bien, qui va, donc, qui, la condition d'Armijo. C'est le paramètre bêta. C'est un paramètre qui est compris entre, strictement entre 0 et 1. On va le prendre tout à l'heure qui est égal à 0,9. Donc, je rappelle, si je suis à l'itération k, donc, comment je calcule, j'ai la direction dk, comment je calcule le pas d'Armijo, donc, alpha vérifie la condition d'Armijo, si j'ai f de xk plus alpha dk est strictement inférieur ou égal à f de xk plus alpha multiplié par bêta multiplié par gradient de f au point xk transposé dk. Ici, on a dk égal, si on a la méthode du gradient, donc dk est égal à moins le gradient. Si on a la méthode du gradient conjugué, dk, il a une autre valeur. Donc, on va la calculer tout à l'heure. Bon, ici, dans la méthode, donc dans la recherche du pas d'Armijo, on essaie toujours de calculer un pas qui est assez grand. Supposez par exemple qu'on démarre d'un point alpha, démarrage d'un point alpha qui est égal à 0,1 ou 0,01. Donc on ne veut pas, s'il vérifie la condition d'Armijo, on ne va pas prendre ce pas lui-même. Donc on va essayer de l'agrandir encore, l'améliorer encore. Alors, parce que les pas qui sont très petits, ne sont pas, ils sont déconseillés, c'est-à-dire ils vont influer négativement dans la convergence de l'algorithme global. Donc il faut éviter les pas qui sont très petits, malgré qu'ils vérifient la condition d'Armijo, mais on essaye toujours de les améliorer au maximum, Qu'est-ce qu'on fait ? Si un pas alpha vérifie la condition d'Armijo, donc on le multiplie encore par 2. On l'agrandit en le multipliant par 2. S'il vérifie encore le pas d'Armijo, on le multiplie encore une autre fois par 2. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à un pas qui ne vérifie pas. Supposons que j'arrive à une itération k-1, il va vérifier la condition d'Armijo. Lorsque je le multiplie encore par 2, il ne vérifie plus la condition d'Armijo. Donc, je retiens le pas obtenu à l'itération k-1. C'est ce qu'on fait exactement dans cet algorithme. Bon, on le multiplie, sinon on le divise par 2. Si, au contraire, lorsque je démarre d'un pas, ici par exemple, j'ai démarré avec le pas, c'est ce qui va arriver justement dans cet algorithme. Je démarre du pas alpha égale 1. Supposons que je démarre avec le pas alpha égale 1. Je fais le test de test d'Armijo. Je trouve que le test, il est faux. Donc, il ne vérifie pas le critère d'Armijo. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ça veut dire que le pas, il est trop grand. Donc, je vais le diviser par 2. Je vais, parce que la théorie m'indique qu'il existe un intervalle 0 rho tel que le pas d'Armijo, il va se retrouver dans ce 0 rho. Donc, il existe. Donc, ça veut dire que le pas que j'ai choisi au démarrage, c'est un pas qui est trop grand. Donc, je dois le diviser par 2. Mais il ne faut pas diviser, c'est-à-dire prendre un pas qui est très petit. Donc, je divise par 2. S'il vérifie la condition d'Armijo, je le garde. Sinon, s'il ne vérifie pas, je divise encore le pas obtenu. Donc, dans cette itération, donc, je le divise encore par 2. Et ainsi de suite. Je divise par 2 de façon donc, continue jusqu'à ce que j'arrive à un pas donc, qui vérifie la condition d'Armijo. Le premier pas que j'atteins, et il vérifie la condition d'Armijo, je le garde. Voilà donc la méthode, comment donc calculer, donc à partir d'un pas initial, le pas d'Armijo. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on donne le pas initial d'Armijo, alpha égale 1 par exemple ici. Bon, vous pouvez donc choisir un autre pas, égal à 0,5 ou bien 2 ou bien 3. Donc le pas initial, donc chacun choisit son pas initial. Bon, s'il vérifie la condition d'Armijo, on essaye de l'agrandir, en le multipliant par 2,
Sinon, on le divise par 2. Sinon, on le divise par 2. Voilà, donc j'ai pris alpha égale 1. On donne, après le pas initial, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la constante bêta qui intervient donc dans l'inégalité d'Armijo. Donc en général, pour la méthode d'Armijo, donc on prend bêta donc toujours est égal à 0,9. Donc on prend, j'ai pris ici 0,9. C'est une constante qui est comprise entre 0 et 1. Donc elle ne doit pas dépasser 1 strictement, elle est strictement positive. En général, on prend bêta égal 0,9. Bon, je commence par k égale 0 et je commence mon algorithme. Bon. À partir de cette ligne-là, donc, je vais donc, ici, donc, une condition, je pose la condition ici. Tant que cette condition, while, donc, norme de gradient est strictement supérieure à epsilon, tant que cette condition est vérifiée, donc, tout ce qui va aller donc venir après, il va s'exécuter. Donc, tout le reste, il va s'arrêter, quand est-ce que, quand norme du gradient, donc, est strictement, donc, est inférieure à epsilon. Donc, qu'est-ce qu'il y a, donc, c'est ça le critère d'arrêt. Donc, si norme du gradient, donc, est plus grand que epsilon, donc, tout ce qui va donc venir après, donc il va s'exécuter. Donc dans toute cette partie-là, donc d'ici jusque-là, donc il est consacré au calcul du pas d'Armijo. Tout cela donc en rouge, ce que j'ai représenté en rouge là, donc toutes ces lignes-là, elles sont consacrées à au calcul du pas d'Armijo. Donc vous voyez bien, je démarre de alpha égale 1. Bon, F0 et F1, donc fun c'est ma fonction, donc c'est ma fonction, donc elle est là, la fonction d'Armijo, donc ici. C'est la fonction de Losenbloch, pardon. Donc ici, la fonction de Losenbloch, je l'appelle fun x. Donc elle est égale, donc son expression de variable, donc elle est là, donc elle est égale donc à 100 x au carré moins x au carré moins y, 2, etc. Donc, son expression, elle est là. Et là, donc, grdx, c'est la fonction gradient. Donc, ici, je les mets à la fin du programme. Ce sont des fonctions. Donc, la fonction fun, c'est la fonction de Rosenbrock, elle-même. Et la fonction grd, c'est la fonction vectorielle. Donc, g1 et g2 sont les expressions du gradient. Bon, vous voyez bien ici que j'ai les conditions d'Armijo. Donc là, si le pas, ici, cette condition, si elle est vraie, ça veut dire que le pas alpha, donc il vérifie la condition d'Armijo. Il vérifie la condition d'Armijo. Tant que cette condition est vérifiée, qu'est-ce que je fais? On l'a dit tout à l'heure, on multiplie ce pas par 2. On multiplie ce pas par 2. Sinon, si cette condition n'est pas vérifiée, donc qu'est-ce qu'on fait? Le pas, on le divise par 2. Et ainsi de suite. Voilà, donc, à la fin de cette étape-là, donc j'obtiens le pas d'Armijo. Donc, soit que la première condition, elle est vérifiée ou elle n'est pas vérifiée, donc, soit je multiplie par 2, ou bien je divise le pas par 2. Bon, une fois que j'obtiens, supposons que je suis à l'itération k, donc j'ai mon point xk et j'ai ma direction dk. À cette étape-là, j'ai calculé alpha k, c'est-à-dire qui est le pas d'Armijo. Donc qu'est-ce que je peux calculer? Donc je calcule ici le vecteur xk plus 1. Le vecteur xk plus 1, successeur de xk. Donc vous voyez bien, x égale x plus alpha d. Bon, si vous voyez dans le programme, on voit que c'est quoi x, voilà. X est égal à, voilà.
lorsqu'on démarre. Ici, parce qu'on a, en vérité, on a ici, donc, du démarrage, x qui est égal au point du démarrage. Donc, on lui rajoute alpha qu'on a calculé, multiplié par la direction qu'on a obtenue, donc, au démarrage ou bien l'itération. Une fois qu'on a obtenu donc le point xk plus 1, le point xk plus 1, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer le gradient de f, le gradient de f au point xk plus 1. Ça, c'est le gradient de f au point xk plus 1. Si on a, donc, si on a xk plus 1 et gradient de f au point xk plus 1 et la direction dk qui a été obtenue à l'itération k, donc à cette étape-là, donc, on peut calculer la constante bêta k de Fletcher-Reeves. Donc, on a ici, donc, dans toute cette étape-là, donc, à partir de ce point-là, de cette ligne-là, jusque-là, donc, ces lignes, cette partie du programme, elle sert à calculer donc, bêta k, le coefficient bêta k de Fletcher-Reeves, et la direction dk plus 1. Donc, je vous rappelle que dk plus 1 est égal à quoi? Dk plus 1 est égal à moins la valeur du gradient au point xk plus 1 plus bêta k multiplié par la direction obtenue à l'itération k. Je rappelle, donc la direction dk plus 1 est égal à quoi? Dk plus 1 est égal à moins le gradient de f au point xk plus 1 plus bêta k multiplié par la direction dk. Supposons que je suis à l'itération k, donc j'ai dk, j'ai calculé maintenant le pas d'Armijo, donc que j'appelle par exemple alpha k. Ceci me permet d'avoir xk plus 1, parce que xk plus 1 est égal à quoi? Xk plus 1 est égal à xk plus alpha k dk. Supposons que je suis à l'itération k, donc j'ai calculé, j'ai xk, j'ai dk. J'ai calculé le pas d'Armijo que j'appelle alpha k. Donc, je peux calculer, donc ici, je peux calculer xk plus 1, qui est égal à xk plus alpha k dk. Après cette étape, donc, je peux calculer le gradient de f au point xk plus 1. Voilà. Ceci me suffit pour calculer le coefficient bêta k. Parce que tout ce que j'ai besoin pour calculer bêta k, je l'ai ici. Donc, on a besoin de la direction dk, on a besoin du gradient de f au point xk plus 1, et c'est tout, donc, c'est tout ce que j'en ai besoin. Donc, ici, une fois que j'ai bêta k, donc, je peux calculer la direction dk plus 1. Dk plus 1 est égal à quoi? Est égal, je vous rappelle, est égal à moins le gradient de f au point xk plus 1, je l'ai, à cette étape, je l'ai, plus bêta k multiplié par la direction que j'ai calculée à l'itération k. C'est-à-dire plus bêta k, dk. Voilà, donc à cette étape-là du programme, donc j'ai calculé, voilà, ça c'est quoi? C'est dk plus 1. Donc je calcule d'abord, donc il y a des étapes qu'il faut respecter. Donc on calcule, supposons que je suis à l'itération k, j'ai dk et j'ai xk. Donc après, je calcule d'abord le pas d'Armijo, alpha k. Une fois le pas alpha k obtenu, je calcule le point xk plus 1. Xk plus 1 égale xk plus alpha k dk. Une fois j'ai le point xk plus 1, je calcule le gradient de f au point xk plus 1. Une fois j'ai le gradient de f au point xk plus 1, je calcule bêta k. Une fois j'ai bêta k, je calcule dk plus 1. Voilà, c'est ça l'algorithme donc, du gradient conjugué avec donc, la recherche linéaire d'Armijo. Donc, ça, c'est la nouvelle direction. Dk plus 1 est égal à moins gk plus 1 plus donc bêta k multiplié par bêta k de Fletcher-Reeves, bien sûr, multiplié par la direction qui est avant dk. Et c'est tout. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc, je calcule la norme du gradient.
dans le nouveau point. Et donc, parce que ici, donc, j'ai le end ici. Donc, je vais revenir à mon test premier. Donc, si la norme du gradient, elle est toujours donc, supérieure à 10 puissance moins 6, donc, l'algorithme, il va donc, continuer. Donc, on aura k égale k plus 1. Donc, je vais donc, le compteur, donc, il va augmenter de 1. Il va donc refaire tout le calcul. Donc, il va calculer encore le pas d'Armijo. Donc, le nouveau point xk plus 2, par exemple. Après, donc, le gradient de f au point xk, xk plus 2. Après, donc, le pas, le nouveau pas, donc, bêta k plus 1. Après, la direction dk plus 2, etc. Donc, et après, donc, lorsqu'on obtient le pas dk plus 2, donc, j'obtiens le nouveau point. Donc, xk plus, maintenant, j'obtiens, puisque j'ai dk plus 2, donc, j'obtiens xk plus 3. Xk plus 3 est égal à xk plus 2, bien xk plus 2. Xk plus 2 est égal à xk plus 1, plus, donc ici nous avons alpha k plus 1, dk plus 1, etc. Voilà. Bon, la même chose, donc ça c'est la méthode du gradient conjugué, la méthode du gradient conjugué. Donc la même chose ici pour la méthode du gradient. La méthode du gradient c'est plus simple encore, c'est plus simple. Parce qu'on n'a pas la direction dk plus 1 en fonction de dk, elle est très simple. On a dk plus 1 est égal à dk moins le pas d'Armijo, moins alpha k, multiplié par gradient de f au point xk. Donc il n'y a pas de... Bon, ici nous avons ici la même chose ici pour le calcul du pas d'Armijo. Donc c'est la même technique exactement. Donc ici, toute cette ligne-là, c'est le calcul du pas d'Armijo. Une fois, lorsqu'on obtient le pas d'Armijo, donc on calcule xk plus 1, voilà, xk plus 1, xk plus 1 est égal à xk plus alpha k dk, avec dk égale moins le gradient, de f. Donc vous voyez bien, x égale x moins alpha, le pas d'Armijo, multiplié par gradient. Voilà. Bon, j'ai rajouté dans cet exposé, donc la même chose avec donc, un programme en Fortran. Pour les gens donc, qui travaillent avec le Fortran, donc vous avez aussi ici un programme, donc la même chose, le pas d'Armijo, donc la méthode du gradient, vous avez un programme qui vous calcule donc le minimum de la fonction, ou bien une solution approchée de la fonction, donc avec un programme Fortran. Bon, à ce niveau-là, donc, maintenant, je vais vous montrer, lorsque j'exécute mon programme, qu'est-ce que je vais obtenir. Bon, ici, je commence par la méthode du gradient. Voilà, la méthode du gradient. Donc, vous avez le même programme ici, exactement. Donc, il est petit, mais bon, c'est exactement le même programme. Voilà, c'est exactement le même programme. Bon, je vais l'exécuter. On va exécuter et on va voir qu'est-ce qu'on obtient. Bon, il a été exécuté. Ça a exécuté. Donc, vous avez... On a le temps ici, time égale, donc 1,31 secondes. La méthode du gradient, donc on a mis 1,31 secondes. Et ici, donc je vais le souligner. La norme du gradient, elle est égale à, voilà. La norme du gradient, elle est égale à 9,14, 10 puissance, moins 7. Nous allons voir que juste à l'itération avant, juste à l'itération avant, regardez ici, donc, combien d'itérations, on va voir combien d'itérations on a mis pour avoir ce résultat. Voilà. Donc, il a fallu, donc ici, 1675 itérations pour avoir, donc ici, y, c'est f de xk, yk, vous voyez, c'est une valeur qui est très proche de 0. Bon, on va aller juste à l'itération qui vient avant. Donc, ça, c'est l'itération 1675. On va voir l'itération 1674. Regardez, donc, à l'itération 1674, juste qui vient avant.
1 A. Norme du gradient est égale à norme du gradient. Voilà, c'est cette valeur-là. Voilà, elle est égale à 1,16, 10 puissance, moins 6. Donc, elle est strictement supérieure à 10 puissance, moins 6. Donc, elle est égale à 1,16. Voilà, parce que vous avez 1,16. Donc, c'est strictement supérieur à 10 puissance, moins 6. Donc, il a fallu donc, une autre itération pour arriver à norme du gradient strictement inférieur à 10 puissance, moins 6. Voilà. Donc, on a mis, donc je répète, on a mis, donc dans ce programme-là, donc à chaque itération, il va nous donner donc le alpha, vous voyez, alpha égale 4, donc c'est, ça c'est le, c'est exactement ici, nous avons ici, voilà, ça c'est, à chaque itération, il va nous donner le pas d'Armijo, ça c'est exactement le pas d'Armijo. Bon, je vais aller, donc, tout au début, et on va voir, donc, je vais monter tout au début, les premiers résultats, juste les premiers résultats, voilà. Regardez, donc ici, j'ai... Malheureusement, je n'obtiens pas les premiers résultats, donc j'ai juste ici donc, les résultats que je peux avoir donc, sur l'écran, j'ai à partir de K égale 1471 itérations. Donc à ce niveau-là, donc j'obtiens la norme du gradient est égale à 2,67 10 puissance moins 6. Et alpha, donc le pas d'Armijo à l'itération 1470, alpha égale, vous remarquez qu'elle est égale à 0,0039. Bon, ça c'est, donc, en appliquant, donc il faut retenir les deux chiffres, donc les derniers chiffres, combien d'itérations pour la méthode du gradient. Donc on a mis 1,31 secondes et pour avoir norme du gradient donc inférieur à 10 puissance moins 6 donc on a mis nombre d'itérations donc c'est 1675 itérations voilà. Bon, maintenant passons à la méthode du gradient conjugué, voilà, c'est le même programme, donc c'est le programme du gradient conjugué. On va l'exécuter, on va voir. Donc, voilà, on va changer de fichier, donc ici, voilà, c'est bon. Le temps a été exécuté, bon, on obtient les résultats. Donc ici, on a le temps d'exécution, on a trouvé pour le gradient 1, je pense 3, quelque chose comme ça. Donc on a ici 0,68 secondes. Donc il est nettement, plus petit. Combien d'itérations? On va voir combien d'itérations on obtient ce résultat. C'est nettement meilleur. Donc on obtient ce résultat après seulement 507 itérations. Après 507 itérations. Et la norme du gradient, donc on va vérifier que, voilà. Bon, ici, vous avez, à chaque itération, on fait sortir, donc, le bêta de Fletcher-Hirsch. Donc ici, par exemple, à l'itération, à cette itération, est égale à 0,682. Vous remarquez bien, c'est une constante qui est positive. Et à cette itération, vous avez la norme du gradient est égale à, voilà, donc elle est égale à 8,35 multiplié par 10 puissance moins 7. Donc elle est strictement inférieure à 10 puissance moins 6. Donc elle vérifie bien notre critère. Voilà. Donc je vais sortir. Donc ça, c'est l'exécution des deux programmes que j'ai donc détaillés. Bon, ceci étant, donc je vais. Les résultats, donc les deux résultats, je vais les mettre. Voilà. Résultat numérique, comparaison entre la méthode du gradient et la méthode du gradient conjugué pour la fonction de Rosenbrock, donc avec le pas d'Armijo. Donc ici, la première colonne, donc c'est la méthode du gradient et la méthode, la première ligne, c'est la méthode du gradient. La deuxième ligne, c'est la méthode du gradient conjugué. Donc le nombre d'itérations, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1675 itérations pour la méthode du gradient. Et pour la méthode du gradient conjugué, donc il est nettement donc, meilleur, donc 3 fois moins, 507 itérations.
Ici, le temps de calcul, pour la méthode du gradient, c'est 2,137 secondes. Et pour la méthode du gradient conjugué, c'est 0,87 secondes. Donc, les deux nombres ici, donc le premier c'est 9, c'est la même chose, parce qu'on a, donc exigé la condition. L'algorithme s'arrête au point xk, yk si la norme du gradient de f au point xk, yk est strictement inférieure à 10 puissance moins 6. On voit bien que c'est ce critère, il est bien respecté. Donc, à l'itération 1675 et à l'itération 507. Bon, il faut remarquer que si je suis à l'itération juste avant, 1674, cette condition n'est pas respectée. On a vu qu'elle est égale à 1,16, 10 puissance moins 6, elle n'est pas respectée. Et ici aussi, si je suis à l'itération 506, elle ne sera pas. Donc c'est la première itération pour laquelle la condition, donc norme du gradient, est strictement inférieure à 10 puissance moins 6. À 10 puissance moins 6. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour les temps de calcul? Bon, c'est normal ici, parce que pourquoi la méthode du gradient, théoriquement, pourquoi la méthode du gradient, elle est meilleure que la méthode du gradient conjugué, pardon? Parce que j'ai comparé avec le même pas. Il faut comparer avec le même pas, c'est le pas d'Armijo. Donc, pourquoi la méthode du gradient conjugué, elle est meilleure que la méthode du gradient? Parce qu'on a dit que la méthode du gradient, donc lorsque je m'approche de la solution optimale, lorsque xk, yk s'approche de la solution optimale, la méthode du gradient, elle devient très lente. Au début, elle fonctionne très bien, mais plus je m'approche de la solution optimale, plus la méthode du gradient devient très lente. Si j'ai mis, par exemple, 10 puissance moins 10 ou bien 10 puissance moins 20 pour la norme pour epsilon, je vais avoir encore plus de mal à avoir ce résultat. Donc, c'est pour ça que... Donc, et la méthode du gradient conjugué, elle-même, est considérée, donc, elle est considérée comme une accélération de la convergence de la méthode du gradient. Donc, elle va accélérer, donc, théoriquement, la méthode du gradient conjugué, elle va accélérer la convergence de la méthode du gradient. C'est pour ça qu'on a ici trouvé moins d'itérations pour la méthode du gradient conjugué. Et le temps mis pour arriver au même résultat ici, au même résultat, le temps, il est nettement plus petit. Donc, vous voyez ici, j'ai 2 secondes, et là, j'ai pratiquement ces trois fois plus de temps. Essayons un peu de voir. Je vais essayer de changer ici quelque chose dans le programme. Donc, je vais prendre l'algorithme du gradient, et je vais encore affiner. Donc, au lieu de prendre 10 puissance moins 6, je vais prendre 10 puissance moins 20. Allez. Donc, c'est vraiment très petit. Donc, et je vais exécuter donc ce programme. Qu'est-ce que je vais avoir? Voilà. Ici, j'obtiens le temps d'exécution, il est égal à 4,21 secondes. Donc, c'est nettement plus. 4,21 secondes. Et le nombre d'itérations, on va voir le nombre d'itérations, est égal à 3969, presque 4000 itérations. Essayons de voir maintenant le gradient conjugué. Donc avec, je prends ici, 10 puissance, comment on dit, donc 10 puissance moins 20. Voyons qu'est-ce que ça donne.